Bonjour Monica et bonjour Laetitia. Bonjour Ouais, à vous. Un plaisir d'être là. Merci. Monica, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchantée. Voilà, et puis nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant bien sûr par la santé. Très bien. Donc, pour moi, ma santé, première question, enfin, première chose, je vais partir de mal au cœur. Palpitations cardiaques souvent parce que je suis très sensible et j'ai passé quand même pas mal de choses, des épreuves dans ma vie et des petits soucis dans ma famille, les enfants, ma Non, petite. non, mais ne me raconte pas les pourquoi, des comment. Hein, tu me dis que tu as mal au cœur, palpitations, ça me suffit. Tu vois? L'électricité Parce que dans tu tires des conclusions, mais souvent les causes sont ailleurs. Donc, on perd du temps pour rien. Tu comprends? très bien. Alors, deuxième point. Deuxième point, c'est encore j'ai des attaques électriques dans les crânes. Dans le crâne, c'est ça Douleur. qui est. C'est des attaques électriques, c'est des points qui vont au fond de mon crâne, qui me font très mal. C'est comme on m'écrase ou on me coupe le crâne. Et c'est parfois tous les côtés de la tête, surtout là, en haut. Et ensuite, j'ai eu plusieurs accidents de vélo, en vélo et puis avec des voitures. Surtout le plus grave qui m'arrivait, il y a une dame assez âgée, elle a rentré dans mon vélo où je roulais et puis elle m'a fait traîner pendant 5 mètres. Ensuite, après, j'avais aussi des accidents à voiture, mais légères. Séquelles, les douleurs dans le dos parfois, qui m'arrivaient, qu'il y a des guérisseurs qui ont essayé de m'enlever cette douleur. Bon, après, voilà. Et c'est parti un petit peu, mais ça me revient encore quelquefois, Et dans le surtout dos, douleur. à quelle hauteur dans le dos? Où? Vers le bas, vous voyez, en bas. Dans le bas? D'accord. Et j'ai quelques douleurs dans les épaules et puis aussi au côté droite, côté la côte. Côte droite, d'accord. Côte à droite. Ok. D'accord. Autre point? La troisième question, c'est aussi. Ça fait partie de j'ai des douleurs de l'estomac. Je me réveille parfois, c'est comme avant examen, vous voyez, je sens quelque chose qui m'aspire. Et c'est une douleur qui part après parce que je travaille un peu respiration et puis j'essaie de vibrer haut, comme on dit dans le présent. Ah, ensuite, j'ai thyroïde, c'est droite, qui est l'année dernière. Comme je me suis énervé. Attends, excuse-moi, je ne t'entends pas trop bien, hein, c'est un peu compliqué. La thyroïde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 ans, il y a un côté droit, je jouais avec ma petite fille, et puis il y a un moment, il y a une boule qui est sortie d'un coup, et je me suis touchée, je me suis dit, mais c'est quoi? Et je pense que c'est un thyroïde parce que je fais des analyses, et puis on va voir qu'est-ce que c'est. D'accord, une boule à droite, de la thyroïde. D'accord. OK. Donc, j'ai aussi arthrose depuis 20 ans au moins, des déformations un petit peu dans les doigts, comme j'ai beaucoup travaillé manuellement, et puis je travaille un peu le bois et puis tout ce qui est art. Ensuite, j'ai des bouffées de chaleur parfois, comme le feu qui me dépasse, et puis je transpire, on dirait que je suis sorti de la douche. La nuit, dans la journée, surtout avant que je contacte émotionnel avec des êtres qui sont pas trop équilibrés, en fait, aussi leur côté et côté famille, justement, parce que ça me pèse mon cœur de voir tout ça. Ça m'arrive comme ça d'un coup. J'ai pas compris ce que tu as dit là, excuse-moi. Dès que des bouffées de chaleur ils aussi viennent au moment que je suis un peu excitée émotionnellement et puis aussi Ah. vis-à-vis
nervosité, comme on dit, le nerf. Ok, ok. Et le vu aussi. Vite. La vue. Ensuite, autre point. J'en ai pas d'autres, vraiment. D'accord. Alors, après les points hors santé, c'est quoi le premier? Hors de santé, donc les poids principaux, c'est ça? Oui, en dehors de la santé, oui. Oui, d'accord. Donc, ma naissance jumilière, ça veut dire je suis née, on m'a trouvé par hasard dans le ventre chez ma maman après accouchement, quand elle a accouché mon frère jumeau. Et moi, on m'a trouvé, en fait, ils ont voulu la nettoyer. Je suis sortie bleue, morte, sans respiration. Et c'était mon frère, il est né 6 mars et moi, je suis né le 7 mars, ça veut dire minuit et quart, on m'a trouvé. Donc j'étais sans respiration, bleue, réanimation toute la journée pour me revenir à la vie. D'accord. Et tu veux savoir pourquoi, c'est ça? Voilà, justement. D'accord. Ok. Tu as voulu que je sois peut-être mourante en ce moment. Et pourquoi on m'a laissé venir ici? D'accord. Ok. Ta deuxième question? Pourquoi je suis tombée souvent malade? À cause des pervers narcissiques, ça veut dire des compagnons que je fréquentais, ça veut dire mon ex-mari. Donc, longtemps, je n'en connaissais pas beaucoup des hommes, donc j'ai tombé sur des gars comme ça, violents, sauf un qui n'était pas violent. D'accord. Donc, tu veux savoir pourquoi tu as toujours ce genre de rencontres, hein? Oui, oui. Et pour qui sont ces gens, en fait? Ok. Donc, il y a du viol par deux. Je n'ai pas compris. Tu dis quoi? Il y avait deux viols. Tu as été violé? Oui, deux fois. D'accord. On ne parle pas de tes ex-compagnons. Tu parles d'autre chose, là. Je parle, il s'agit de mon ex-mari et puis un compagnon. Enfin, je n'ai jamais habité avec eux. Il y a un qui s'est encrusté dans ma vie et puis m'a fait ça et puis mon ex-mari. D'accord, ok. Alors, ton autre question? Donc, tentative de suicide. Tentative de suicide, c'est ce que tu as dit? Oui, tentative de suicide et ensuite suicide familial parce que il y a quelqu'un dans notre famille qui s'est suicidé aussi et c'est douloureux pour ma mère et j'ai vécu cette période et ensuite moi aussi j'ai sauvé enceinte de ma maman de son suicide et ça m'est arrivé aussi à moi dans le moment où cette compagnon qui m'a violée ça m'est arrivé qu'il m'a failli tuer et puis je me suis défendue. Et c'est là que j'ai pensé à la suicide. En fait, j'ai reçu un blackout, comme on dit, parce que j'avais pas de famille. J'étais divorcée avec mon mari. Il m'a pris mes enfants. Il a payé son contrat que je récupère pas. Et puis voilà, j'ai passé une nuit noire, comme on dit, dans ma vie. Mais j'ai entendu la voix de mes enfants et de l'amour que j'ai poué. Ça m'a sauvé, en fait. D'accord. Et c'est quoi ta question, alors? Donc, ma question, je voudrais bien savoir qui c'était qui m'a envahi pour que je sois dans l'ombre en faisant ça. D'accord. OK. T'as une autre question? Troisième question. J'ai beaucoup de rêves. Compris. Tu as dit quoi? La troisième question. On n'est pas à trois. Alors attends, on est à la cinquième question là. La première, c'est ta naissance. La deuxième, c'est pourquoi tu es souvent malade.
La troisième, c'est les pervers narcissiques qui se présentent. J'ai pas ajouté, j'ai zappé une explication dessus. C'est que j'ai tombé malade depuis petite quand je vois des animaux et puis des enfants et des gens. En fait, j'avais la fièvre, j'étais pas bien et puis ça fait partie de cette souffrance en fait aussi. Et la cinquième question, j'ai des problèmes avec ma fille depuis un bon moment. Paraît quelqu'un violent, donc je l'ai défendu et elle a eu un enfant, ma petite fille qui s'appelle Mona. Et elle a commencé un moment fugué parce que sa maman, elle a subi un violence psychologique avec un malade mental, comme on dit, un monsieur. Et elle a commencé à fuguer et puis venait dans le milieu de filles qui se vend en fait avec l'argent, ex-girl, je sais pas comment ça s'appelle ça, escorgel. Donc nous on a souffert, moi aussi j'ai subi ça dans mon cœur parce que j'ai essayé déjà l'élever jusqu'à 8 ans et ma fille elle étudiait parce que j'ai pas voulu qu'elle tombe aussi dans un piège parce qu'elle s'est séparée avec le père très violent qui nous a agressé violemment. Sa famille aussi, elle m'a agressé. Donc, question, c'est que pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ma petite fille, qu'est-ce qu'elle a, est-ce que peut-être elle interférait avec quelque chose et ma fille aussi. D'accord. Leur comportement, il est. Puis en fait, dans le fond, un petit peu. Sans discipline et puis même psychologie, parce qu'il y a qui est plus à Ok. Bon, j'entends un mot sur deux, mais j'essaie de deviner. Hein. Donc, ta sixième question, c'est quoi? Voilà, la sixième question, c'est que comment Madame. Alors, ta sixième question et la dernière. C'est bien savoir, voilà. Apparemment. On a 1000 heures ensemble et on est passé ici sur la terre avec elle. Et j'ai rien compris du tout là. Il faut que tu me répètes. Donc tu me parles d'une personne, d'une femme, c'est ça? Oui, vous connaissez elle. Oui. Déjà. Ah oui, d'accord, oui, qu'on a eu en soi, ouais, d'accord, ouais. Elle a posé aussi une question et moi aussi je vais poser une question. Pourquoi on se rencontrait avec même date de naissance en fait ici? Ah d'accord. Voilà. Ok. Même date de naissance, d'accord. Même date, même année. C'est juste l'année en renversé. Et elle a vu ça et puis jusqu'à là. Bien. Ok. Alors, au niveau des invités, qui veux-tu inviter alors? Je vais inviter ma famille, enfants, leurs conjoints. Déjà, tes enfants et leurs familles respectives? Conjoint, famille. Alors attends, enfant, conjoint, t'as dit? Oui, conjoint de par exemple, femme de mon fils parce qu'il est avec ah, elle. Oui. Oui, tes enfants et leur famille, quoi. Hein? Voilà. Conjoint et enfant, d'accord. Ok. Frère jumeau. Frère jumeau, d'accord. Et mon grand frère qui est parti d'ici, déjà, il est là-haut. Ah non, mais ça, on parle désincarné pour l'instant. Hein. Ah oui. Les désincarnés, c'est après. Oui. Donc, ton frère jumeau, il a une famille aussi? Il a fondé une famille? Mes parents, ils sont déjà partis de là. Non, mais donc, ton frère jumeau, est-ce qu'il a une compagne? Il a des enfants? Justement, il a aussi avec quelqu'un. D'accord, ok. Donc, tes parents? Et mes parents, mon papa, maman. Et ils sont encore ils sont de ce monde encore? Ah oui, là, donc on parle des incarnés. Alors, on dit famille en général? Oui. Famille en général, d'accord. Et grand frère. Comment? Et mon grand frère qui est décédé aussi. Oui, non, mais les désincarnés, c'est après. On fait d'abord la liste des incarnés, et après, on fait les désincarnés.
Donc là, on est sur les incarnés. Donc on a dit tes enfants et leur famille, ton frère jumeau et sa famille, ta famille en général. Tu as des amis, des relations, connaissances? Des amis aussi. Amis aussi, voilà. Animaux, tu as des animaux? Oui, j'ai trois chats. Donc on va dire les trois chats et les animaux de la famille. Hein? Oui, parce qu'il y a des animaux chez nous. Ok. Moi, je suis, maman des animaux, comme on dit. Je vivais dans la mythe des animaux, en fait. J'ai ramené des animaux à la maison de ma maman. Bien. Alors, au niveau des désincarnés, tu peux en choisir deux. Qui choisis-tu? J'ai choisi mes parents. D'accord. Donc, ton père et ta mère. Ok. Et comment? Non, c'est deux. C'est pas trois, c'est deux. Hein. Ah, parce qu'après, on n'en finit pas. Hein. C'est juste... après, on fait la lignée à travers eux. Donc, hein? Ça marche. Alors, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. Oui, merci. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 43 000. À 43 000, tu te sens hors d'atteinte? En sécurité? Oui. Parfait. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Monica et dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a une sorte de pellicule autour d'elle, blanchâtre, à la fois bleutée. J'ai l'impression qu'elle est comme bloquée ou électrifiée, comme quelqu'un qui est électrifié. Ça bloque tout, comme s'il était figé, quoi, électrifié. D'accord. C'est, j'allais dire, suffocant même. Alors là, je vois quelque chose au-dessus de son crâne, comme une sorte de pommeau de douche. C'est par là que ça l'électrifie. D'accord. Je vois des énergies sortir de ce pommeau de douche, parce que ça fait comme des petits filaments électriques qui sortent de son, au-dessus de son crâne. On dirait au chakra coronal aussi. Ça l'électrise et ça brouille la connexion déjà au niveau de son chakra coronal. Ça interfère la communication entre tous les corps énergétiques jusqu'à la physicalité. Alors, il y a quelque chose... le pommeau de douche, en fait, il n'est pas suspendu, mais je le vois au-dessus de son crâne et puis redescendre derrière son dos, en fait. Tu vois? Ça redescend comme ça. Ouais. D'accord. Jusqu'à son coccyx. C'est comme si c'était quelque chose qui était accroché à elle. Qu'est-ce que ça cause comme problème, ça? C'est bloquant et c'est limitant. Ça décale sa physicalité, son corps physique avec ses corps énergétiques. Elle a un décalage. Mais c'est pas du tout aligné, en fait. Parce que c'est comme si, en fait, ce pommeau de douche, quand il descend le long de la colonne vertébrale, c'est comme s'il était collé à elle. Ok. Que vois-tu d'autre? Non, je vois toujours cette pellicule-là après devant elle. Qu'est-ce qu'elle lui cause comme problème, cette pellicule? J'ai le terme... endormissement. Ça l'endort. C'est pour ça que j'avais l'impression que ça avait cette sensation de la figer, mais en fait, elle est comme endormie, en fait.
Donc ça met tout, bah, déjà au niveau de sa physicalité, ça met tout au ralenti. J'ai l'impression les circulations des systèmes et les connexions. Le décalage de la réalité, c'est comme si on l'avait mis dans un espace-temps et que tout était dans une lenteur dans ce qu'elle pouvait vivre dans, sa, dans la manifestation de la matière, pas dans la manifestation de ce qu'elle vit dans sa vie. Tout est lent. Elle a du mal, en fait, elle dort, en fait. Hein. Elle a du mal à vivre, à être là, en fait. À être ancrée, on va dire, et alignée avec toutes ses parties. Et puis, bon, ben, je reviens toujours à ce pommeau de douche qui, au niveau du crâne, la coupe de ses connexions intérieures, de son sensoriel, tout ce qui est sensoriel, extrasensoriel, elle est coupée. Et puis, avec ce tuyau de douche, enfin, je ne sais pas comment je vais expliquer, dans la colonne vertébrale, qui décale, en fait, j'ai vraiment même envie de dire, parce que je vois un décalage de 1 cm, en fait, de chacun de ses corps. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre, si tu la scannes encore? Là, on m'a montré ses mollets. Ses mollets? Ouais, au niveau des mollets, il y a comme des accroches, des griffes, quelque chose qui interfère sa circulation aussi, veineux. D'accord. C'est des accroches. Donc, du coup, elle est maintenue derrière, comme ça, et au niveau des mollets. Donc, ça la désancre du sol, du coup, ces accroches. Donc, de la connexion tertielle, on va dire. Encore plus, c'est-à-dire que ça accentue. Elle est enfermée, je la vois dans une sorte de d'œuf. Enfin, c'est pas un œuf, mais une capsule, on va chercher le mot. Oui. Cette capsule est. J'avais parlé de pellicule blanche et elle est dans ces couleurs-là, blanc opaque. Tu parles de la partie séluminale qui est dans la capsule? Oh oui, ça me parle. Oui, exact. C'est la partie séluminale qui est là. Et elle se situe, la capsule? Oh, j'en vois plein. On dirait comme des œufs de mouche, j'ai envie de dire, imbriqués les unes sur les autres. Je suis dans une sorte de lieu. C'est un lieu, c'est pas un vaisseau. D'accord, il est où ce lieu? Il est aux abords de l'espace terrestre, comme une sorte de satellite artificiel, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Par contre, je vois vraiment la salle avec toutes ces sortes d'œufs, d'insectes. Donc, c'est une essence insectoïde. J'ai dit mouche, mais ça ressemble à ça. De loin, ça fait des petits des œufs de mouche, quoi. C'est petit. Il y en a beaucoup. C'est métallique aussi en même temps. C'est froid. C'est lourd, c'est pesant. L'énergie. Ça y est. Qu'est-ce qu'il y a de sa partie séluminale à l'intérieur? Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée à l'intérieur? Regarde. J'ai le terme pris au piège. Ouais. De quelle manière? Sur Terre, entre deux incarnations, en inter-incarnation. Inter-incarnation, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été prise au piège. C'est comme si elle avait une sorte de consentement, enfin, c'est ce qui me vient. Au moment de la désincarnation, elle demandait de l'aide ou qu'on illumine son chemin. Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, la personne qui devait illuminer son chemin, en fait, ce qu'elle voyait, elle, derrière ce masque, c'était des insectoïdes. D'accord. Donc, c'est des mouches, alors? Des sortes de mouches, ouais, voilà. D'accord. Et elle les voyait de quelle manière? Il y en a deux, trois comme ça. Elle les voyait comme quelqu'un qui illuminait son chemin, donc, je ne sais pas, quelqu'un de bienveillant.
lumineux, un peu comme les anges, quoi. Ou un saint. Je sais pas, ça dépend. En fait, ouais. Et là, il y en a deux, trois qui l'emmènent, qui l'enferment. Qu'est-ce qui se passe pour elle après, alors? Elle est emmenée, elle est enfermée dans cet endroit, c'est ça? Dans cette capsule, ouais. D'accord. C'est quoi l'objectif de ces entités? Il y a le contrôle à partir de la partie subliminale. Alors, il y a le contrôle. Oui, parce que l'énergie, en fait, quand on la met sous capsule et elle est endormie, ça la met dans une énergie de facilité de la manipuler, en fait. Pour pouvoir extraire, parce que c'est ce que je vois, des énergies de l'être humain quand il est incarné. Je ne sais pas si tu me suis, en fait, oui, quand bien sûr. Oui, à partir de là. L'être humain est incarné, il dégage une certaine énergie, pellicule d'énergie qui les intéresse, et donc ils la mettent sous endormissement, comme ça, pour pouvoir en extraire cette énergie. D'accord. Une partie plus support, donc subliminale, pour extraire l'énergie de la partie physique. Voilà. Voilà. Okay. Qu'est-ce qu'ils en font de cette énergie? Une sorte de création de eux-mêmes, d'amélioration de la race, pour pouvoir s'améliorer. Bon, c'est le terme qui me vient à chaque fois. Transformation et amélioration de leur race. Est-ce qu'il touche à l'ADN? J'ai, oui, une partie. Quel pourcentage d'ADN a été trafiqué pour elle? Là, j'ai 1%. Ok, c'est un rajout d'ADN extérieur ou c'est juste des modifications? Des modifications pour pouvoir extraire l'énergie. D'accord. Qu'est-ce que ça crée comme problème à Monica? J'ai le terme qu'elle n'est plus elle-même. Elle ne peut plus agir, ne peut plus, oui, agir et décider dans sa vie, en fait. Ok. Il y a combien de vies humaines qu'elle a été capturée là, dans cette situation? 5. 5 vies humaines, d'accord. J'ai même le terme récent, je ne sais pas pourquoi. Ouais, regarde pourquoi. C'est sûrement une importance. Pourquoi tu as le terme récent? Parce qu'il y a eu une sorte d'évolution énergétique de l'être humain. Oui. Donc, ils se sont intéressés récemment, dans leur espace-temps, en fait, c'est assez récent. Ah oui, d'accord. Par rapport à l'évolution humaine, en fait. En ce qui les concerne, eux, c'est récemment qu'ils se sont intéressés à l'espèce humaine, c'est ce que tu dis? Oui. D'accord. Par rapport à l'évolution énergétique, en fait. Ouais. Il y a une évolution de l'humanité, je dirais, je ne sais pas. Quoi elle a évolué, l'humanité, là? Au niveau énergétique, il y a eu comme des rajouts d'énergie, des pellicules d'énergie rajoutées, je ne sais pas. C'est une évolution pour l'humain ou c'est une évolution pour leurs interventions? Pour l'humain, c'est divin même, j'ai le terme divin qui me vient. Ouais. Qu'est-ce que ça a rajouté à l'humain? Intéressé à elle. Ça a rajouté l'évolution, on va dire, de la dimensionnelle. Des sortes de reconnexion. Quelles conséquences ça donne, par exemple, si tu regardes notre contexte actuel, quelle évolution tu vois, quelles conséquences il y a, globalement? Par rapport à qui, pour l'être humain, en termes de positif? Bah oui, tu me dis que l'humain a évolué. Oui, parce qu'en termes de négatif, il y a beaucoup plus de prédation, en fait, c'est ce qui m'est venu. Donc, ouais. En termes de positif, je vois beaucoup plus de connexions. En fait, je vois beaucoup de liens avec le soi supérieur. D'accord. Et l'agrandissement, c'est-à-dire en expansion de la Terre et du système solaire aussi. Il y a comme quelque chose qui grandit, en fait. Est-ce que tu parles de la construction de la 5e D, par exemple? Oui, exact. C'est ça que tu parles, d'accord. Okay. Oui.
en expansion. Bien. Alors, donc, je suppose que tu as, pendant que tu as ces informations, que toutes les parties de Monica prennent conscience et connaissance de cette supercherie et de leurs conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? 26. 26 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. Et sous quelle forme? 1, 2, 3. C'est vert. Enfin, la couleur est verte. J'ai le terme Uranus qui me vient. Je ne sais pas si c'est vert, Uranus d'ailleurs. Mais il y a autour. En fait, j'ai le terme végétal qui me vient aussi. D'accord. Donc, quelle dimension? C'est entre. Je ne sais pas si Uranus est une troisième dimension, mais entre la troisième et la quatrième. Ce qui me vient. Mmh. Elle est de forme végétale, énergétique, mais à la fois il y a de la matière en fait. Ah, il y a le terme synthétique qui me vient aussi. Il y a une forme énergétique et synthétique. Je ne sais pas si tu me suis. D'accord, ok. Donc elle a été créée, tu veux dire? Non, c'est. Non, ça me parle pas. C'est juste qu'elle existe en tant que telle, en tant que synthétique et énergétique. C'est-à-dire qu'elle est à la fois sur deux plans, aux abords de notre Uranus, en fait. D'accord, mais pourquoi synthétique? Parce que quand on dit synthétique, c'est quelque chose qui a été créé externement. Alors, c'est entre le biosynthétique, on va dire. Si ouais, d'accord. Ok. Bon. Ça a été. Non, encore une fois, ça ne me vient pas là, ce que tu me dis. Pourtant, oui, ça pourrait être logique. Bon, biosynthétique. Okay, on dirait que c'est une extension de cette planète. Parce que je la vois en fait sur une dimension en extension. Je ne sais pas si tu comprends, avec une sorte de lien. Avec de la troisième à la quatrième, c'est ça que tu veux dire? Oui. D'accord. C'est comme une sorte de pellicule en fait qui vient se rajouter à la densité de la planète. D'accord. La construction de la quatrième D. Alors voilà, c'est ça qui me vient. Ça y est. Ce qui est synthétique, c'est la planète en fait. J'ai l'impression, le noyau. C'est pour ça qu'il y a ça. Le noyau d'Uranus, tu parles d'Uranus même ou un satellite? C'est le noyau, c'est Uranus, c'est pas un satellite. D'accord. Donc son noyau est synthétique. Ben je. Bon, alors c'est une copie conforme de Uranus. Oui. Ben, regarde. Je vois comme deux Uranus les uns contre en mode simultané, mais en copie comme ça. Ah d'accord, ok. Alors quel est son rôle, elle, sur cette planète? Qu'est-ce qu'elle fait en 3 et 4e D? Tu me dis donc sous une forme végétale. Forme végétale, ouais. Mais synthétique, c'est assez flou. Rôle. Alors il y a le maintien de cette dimension, de maintenir cette dimension en construction. D'accord. La quatrième alors, c'est ça? Elle est comme une planète, alors je ne sais pas si c'est une planète ressource hein, du coup, mais comme c'est en copie, j'ai l'impression qu'on a, on a fait une copie en fait. Donc son rôle c'est le maintien des dimensions. En construction, oui. Il y a une construction entre la 3D et la 4D qui va servir pour d'autres planètes. Sa conscience en fait gère ça. Bien. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve sur Terre à partir de cette forme de manifestation? Elle a été comme appelée en fait pour attends, je la vois se déplacer en fait. C'est comme si elle donnait un morceau de elle-même, un bout d'elle-même.
parce qu'elle leur distribue en fait. Cette biosynthétique est distribuée dans d'autres univers. Et puis je revois les deux Uranus sur deux espaces-temps. Et c'est comme si elle avait été appelée pour amener ça sur la Terre. Mais tu parles d'une partie d'elle-même, c'est pas elle-même alors. Oui, c'est elle. C'est elle. Donc c'est pas un bout d'elle-même, c'est elle, c'est sa conscience. C'est sa conscience, oui. Mais quand je parle D'accord. d'une partie d'elle-même, c'est que comme c'est un végétal qui est démultiplié. D'accord, ok. C'est comme si elle était une conscience collective, si tu veux, mais c'est elle, hein. D'accord, démultiplié, d'accord, comme des boutures, c'est ça que tu veux dire? Exactement, oui, exactement. D'accord. Et elle a été appelée par qui pour aller dans l'espace terrestre? Je ne vois pas qui c'est qui l'a appelé. J'ai l'impression qu'il y a une autre conscience, il y a d'autres consciences qui l'appellent. Alors tu vas prendre les fréquences nécessaires pour découvrir de qui il s'agit. 1, 2, 3. Quelles sont les consciences qui l'appellent? C'est sur Mercure, on dirait d'autres entités qui construisent du biosynthétique, encore une fois. C'est depuis Mercure. Et Ok. je vois pas les entités, je ressens les consciences en fait. Et donc elle l'appelle pour aller dans l'espace terrestre, c'est ça? Ouais. Et pourquoi faire? Il y a une construction synthétique en fait, comme pour faire une copie de la Terre. Faire une copie de la Terre. D'accord. Et dans quel but? Ben, comme les autres. C'est comme pour faire des copies du système solaire, pour pouvoir copier et peupler, en fait, mais contrôler, parce que c'est synthétique, mi-bio et mi-synthétique. D'accord. Donc Mais c'est construire dans des une. espaces-temps parallèles, en fait, puisque j'ai Ouais. l'impression de voir comme ça, en fait. Et y a ça aussi par rapport à la Terre. C'est-à-dire que la Terre est comme une terre d'expérience, enfin, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Et donc là, cette conscience-là qui est sur Uranus, tout comme la conscience de Mercure, il y a une synergie en fait de travail entre elles pour pouvoir faire dans cet espace-temps parallèle une copie de la Terre. En gros, ce que je perçois, hein, Ça c'est ça. répond à quel besoin de faire une copie de la Terre? Mais pouvoir créer et peupler d'autres espaces parallèles. Ouais, et dans quel but? J'ai le terme amélioration qui me vient. Alors, D'accord, pour faire une autre version de l'espace terrestre, c'est ça? ouais. Et Et l'améliorer? système solaire aussi. Est-ce que Et c'est pour faire un système hors fausse matrice, c'est ça que tu veux dire? non. C'est pas le hors matrice qui me vient, parce que là c'est beaucoup plus contrôlé, comment dire, pas contrôlé, synthétique. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration quand même, mais c'est pas forcément hors matrice, quoi. J'ai l'impression que c'est juste parallèle, en fait, dans des dimensions parallèles. D'accord, mais pourquoi c'est intéressant pour eux de faire une Terre dans une dimension parallèle? Ben, en fait, c'est comme si les consciences se démultipliaient. C'est comme s'il y avait une démultiplication de conscience. Veux dire qu'il y en a trop sur Terre et il faut une autre planète ou c'est quoi le truc? Non, c'est que. Bon, je vais expliquer ça. Oui. C'est qu'il y a. Je vois en fait de la démultiplication de planètes et de systèmes solaires comme pour créer de nouveaux univers, en fait. De D'accord. nouveaux systèmes solaires, mais en utilisant à la fois le biologique et à la fois le synthétique. Donc là, qu'elle soit créée, s'il n'y a pas la même création en fait de l'univers, c'est comme s'il y avait l'univers qui a été créé d'une part, comme là tel qu'on le connaît, par effet, on va dire scientifique, je sais pas comment t'expliquer mieux que ça. Et que là, en fait, on le crée virtuellement. D'accord. Et c'est toujours dans le cadre de l'influence de la fausse matrice.
Mais il y a. Oui, parce qu'en fait, c'est plus grand que ça, en fait. La fausse matrice, c'est comme si tu regardais une aiguille dans une botte de foin. C'était quelque chose, c'était minime, quoi. C'était un petit problème. C'était rien, en fait. Et que là, en fait, ils sont en train de créer. Les consciences sont en train de créer d'autres univers. C'est comme une sorte d'expansion, en fait. D'agrandissement. Mais de pouvoir plus, mieux. C'est pour pouvoir contrôler un peu plus, en fait, les interactions. Contrôler les planètes, les constellations, les univers. D'accord, ok. Chose de plus de contrôle. Il y Alors, a... si on... Ouais. Si on en revient donc à Monica, à celle qui est Monica aujourd'hui, elle va dans l'espace terrestre, donc tu parles dans cet espace terrestre, synthétique, ou l'espace terrestre que nous connaissons la nôtre. Elle est obligée d'aller vers la bord de l'espace terrestre. Elle est obligée d'aller vers la Terre Ouais. pour pouvoir traverser ensuite la démultiplication parallèle et pouvoir faire son travail. Et c'est ce qui se passe? Oui, sauf qu'en fait, elle est comme, je dirais, sciée en quatre. Elle est divisée par rapport à la fausse matrice qui est installée, en fait. Ça la divise elle-même. Donc, D'accord. elle est complètement happée, j'ai envie de dire. Les quatre Elle parties n'arrive d'elle pas sont appelées. à destination. Cette conscience-là n'arrive pas à destination. Et De toute qu'est-ce qui se façon, ils passe sont à ensuite? laisser. Pardon? Qu'est-ce qui se passe ensuite pour elle? Là, je la vois dans une perte dimensionnelle et il y a plusieurs parties d'elle-même qui rentrent dans les roues d'incarnation. Est-ce que tu veux dire qu'actuellement, pendant que nous parlons, il y a plusieurs parties d'elle-même en manifestation, sur Terre Oui. ou ailleurs? Oui. D'accord. Toutes sur la Terre ou ailleurs? Toutes sur la Terre, mais dans différents Dimension. espaces-temps et dimensions aussi. D'accord. Est-ce que ça crée un problème pour elle qu'il y ait ces quatre parties, Oui. ces quatre manifestations? Oui, c'est oui, parce qu'elle n'a pas conscience de ses autres bouts, ses autres morceaux d'elle. Oui. Et elle Et n'est quelles sont les pas, conséquences? comment dire, elle n'est pas entière, voilà, c'est le mot qui me vient. Il n'y a D'accord. pas d'entièreté dans ce qu'elle est aujourd'hui, donc dans Monica, dans ce qu'elle vit aujourd'hui. Okay. Bien. Alors, maintenant qu'on en sait un peu plus, dans cette boucle de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu vois d'autres choses, regarde si tu vois d'autres choses qui pourraient nous être utiles, des choses que nous avons, que nous n'aurions pas vues éventuellement, même si tout disparaîtra. Oh non, c'est bon, j'ai fait le tour. Alors, demande-lui si elle accepte. Déjà, vérifie son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui. Voilà. Et donc, il y a 1% qui est trafiqué. On est d'accord. Oui. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Alors, puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Voilà. Donc, qui vois-tu en premier? Je vois tout le dispositif. Hein. Ensuite, donc les œufs hein, que j'avais perçus avec les mouches qui s'affairent. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Je dirais qu'il y a une centaine de mouches sur D'accord. toute En lien avec elle directement? C'est-à-dire qu'elle, elle est en lien aussi avec d'autres, tous les œufs que je voyais en fait. D'accord. Donc OK. ça amène, ça fait venir en fait toutes ces mouches-là qui s'occupaient de ces œufs-là. Qui vois-tu d'autre? Ensuite, il y a des grandes failles. Donc je vois des entités démoniaques, des opportunistes. Elle joue sur quelles émotions, celle-là?
qui appuie sur le corps mental et le corps émotionnel. Il y a l'émotion de tristesse, l'émotion de la colère aussi, de ne pas arriver à dépasser ces états-là, d'être toujours dans des basses fréquences aussi, donc d'être manipulable au niveau émotionnel. Voilà. Ok. Qui vois-tu d'autre alors ? Les gestionnaires de la matrice qui sont présents en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Est-ce que tu as des parasites ? Oh oui. Au niveau du ventre, de l'estomac, enfin des intestins. Intestin ou estomac ? Les deux. Ah. Je vois comme des vers luisants de type orangé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre cela ? Ça ralentit le système, donc son système digestif au niveau de la physicalité. Et ça accentue, je dirais, les failles émotionnelles. Quoi. C'est lié avec les entités. Ok. Voilà. Bien. Alors, elle va déclarer à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les huit, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis d'espace-temps, dans toutes les différences d'état de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel. Et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine vu et pas vu, disparaît avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, et donc sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Maintenant, donc Monica se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Monica à présent ? Il y a un soulagement intérieur au niveau de son chakra cardiaque. Bien, maintenant, dis-moi comment réagissent les entités. Elles créent des brèches, elles tentent de la récupérer. Elles font des déploiements, en fait, d'énergie. Ok, alors on va tout bloquer sur tous les plans. Donc, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas revenir en arrière. Tu vas te positionner à un moment où les entités, enfin, juste avant qu'elles réalisent qu'il se passe quelque chose. Oui. Voilà, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout et tous. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique de Monica, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, je vois des réminiscences, il y a des traces. Alors, on élimine tout sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde les arrière-plans, dis-moi s'il reste quelque chose. Je vois comme une... C'est bizarre, c'est comme une sorte de tornade, en fait, en arrière-plan. Il y a quelque chose qui... veut dire ? Comment ? Un vortex ? Oui. Qu'est-ce qu'il fait là, ce vortex ? C'est les entités qui tentent, encore une fois, de la récupérer à travers des... Alors, par quel biais elles ont réussi à maintenir ce vortex ou à le créer ? Alors qu'on les a virés.
Moi, je vois des lignes de temps en fait qui se sont déployées. D'accord, ok. Alors, dis-moi combien est-ce que tu vois de lignes de temps? Il y en a 10. Et au sein de chacune, dans combien de dimensions? 4. Bien, tu vois un portail dimensionnel, on vire tout. 1, 2, 3. Ah oui, c'est bon. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Vérifie maintenant la sphère de Monica. Dis-moi s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien, c'est clair. Bien. Alors maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors là, ce qui m'est venu, c'est l'ADN. Ouais, les 1%. Oui. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ben, ça fait comme un système de GPS, comme quelque chose qui clignote en fait. Tu parles de l'ADN modifié en elle ou ils détiennent de l'ADN d'elle? L'ADN qui est modifié. L'ADN qui est Alors, modifié. Ok. Donc ça, on le fera tout à l'heure. Ok. C'est le seul moyen de la retrouver, de repérer? ben, oui, c'est ce qui m'est venu, oui. Parfait. Oui, le reste, c'est bon. Ok. Bon, l'ADN, on le fera tout à l'heure, quand ce sera le moment. Donc maintenant, regarde si, à part cet ADN, ils ont d'autres moyens de la retrouver et de la repérer. Non, je vois pas. Parfait. Alors, on va regarder le soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morentiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est anxieuse, elle a peur. Elle est repliée sur elle-même. Comment tu vois sa partie cellulaire? Elle est aussi anxieuse. Elle s'est dégagée, mais elle se sent pas stable, en tout cas, D'accord. instabilité. Ok. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan Morentiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Oui. Allons, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace Morentiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Monica pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Monica. De vivre pleinement son incarnation en étant ancré et plein d'amour de soi. C'est ce qui me vient. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Il l'invite à monter à 100%. Oui. À présent, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Parfait. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a de la dissonance sur l'arbre, de la dissonance audible, audio. Il y a des fréquences qui sont très dissonantes. Ça siffle, ça crisse. Oui, ça crée quoi comme problème aux consciences? Elles sont déconnectées les unes aux autres. Pour communiquer, c'est comme si elles n'avaient pas le choix que de crier, on va dire, de parler fort, quelque chose comme ça, puisqu'elles ne s'entendent pas, ça ne communique pas. C'est aussi glacial les échanges. C'est froid. Bien. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Monica? Ça l'isole. Elle n'est pas comprise. Elle ne comprend pas aussi les autres consciences. Elle est coupée des communications entre ces lignes.
Ok, alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 53. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Juste après les roues d'incarnation, je vois des entités qui jettent ces fréquences-là sur l'arbre, comme un pistolet. Tchac. Démoniaque? Oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là. Tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Au sortir des roues, il va augmenter ses fréquences pour passer au-dessus de ses entités. Sortir du champ de perception. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Toucher en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Elles se libèrent, elles s'entendent, il y a des échanges, des reconnexions d'échanges, de communication. C'est chaleureux. Alors, tout à l'heure, c'était glacial. C'est chaleureux maintenant, les échanges. Ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte donc Monica? Elle se sent moins seule. Elle comprend maintenant. Elle entend, écoute. Il y a des échanges sereins. Très bien. Donc, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur et d'ouverture de conscience pour toutes les âmes de s'aligner? Oui. Allons-y. C'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper 25% et réinformer le reste. Allons-y, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Bien, maintenant, on va s'occuper de son ADN. Au niveau des 1% d'ADN trafiqués, est-ce qu'on peut les éliminer maintenant? Oui. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Voilà, vérifiez en arrière-plan s'il reste quelque chose. Non, je ne vois pas. C'est bon. Donc, elle le remplace avec sa propre essence. Oui. À présent, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectées et combien sont activées? On voit 5 hélices et 3 de connectées. Peut-être connecter les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va renforcer, stabiliser sa base énergétique et physique. C'est fait. À présent, on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa conscience, ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, regarde s'il y a des programmes spécifiques liés au manque. Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. À la limitation. Oui. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. À l'oubli. Oui. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. À la peur. Oui. 1, 2, 3.
Oui, c'est bon. À la limitation des capacités. Oui. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. À l'estime, la valeur et l'image de soi. Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Voilà, vérifie en arrière-plan si tu vois quelque chose encore de ces programmes. Ah non, c'est bon. Alors, elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Maintenant, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde et à l'envoi de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Oui. Donc, elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Et je vais conseiller à Monica d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance. C'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Voilà. Donc, rompre et effacer. Monica, il faut que tu arrêtes de faire bouger le téléphone, s'il te plaît. Il faut qu'il reste immobile. Autrement, ça me perturbe. Tu le poses, il ne faut plus le toucher. Rompre et effacer. Tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, promesses, accords, tacites ou non, conscients ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, c'est bon. Bien.
Donc, elle intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare, « Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. » Oui. Elle rajoute, « J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. » Oui. À présent, nous allons aborder la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Monica, tout y est proposé, elle fera elle-même le tri. Elle déclare, « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour de rien, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie, ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare, « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de paix, de plaisir, etc., etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne,
que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elles ne conservent bien sûr que ce qu'elles estiment juste et bon pour elles, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseignement de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, c'est bon. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et sa graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double d'hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère au électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes de fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double hémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Donc, nous travaillons à présent sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous allons éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui.
et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. Donc à partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée et argentée qui englobe tout son espace énergétique et physique. Dans une sphère sécurisée, elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, réinformant, réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et systèmes associés. Arrivée au niveau du coccyx, elle expulse et pulvérise des amas sombres, denses, compactes. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire et hormonale. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Dentaire avec le tableau général. Oui. Bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Alors, elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration à chaque organe et système, qui crée des résonances dans chaque muscle, tendon, cartilage, système osseux jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être. C'est fait. Bien. Microkiné. Elle actionne des points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage donc métamorphique. Elle ajuste à ses propres fréquences cette énergie toujours disponible. C'est fait. Et le tout dernier, la fascia thérapie. Et un rééquilibrage des tendons, des muscles, articulation de la mâchoire, rééquilibrage énergétique, les orbites nasales, auditifs. Sur tous les plans. Voilà. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Voilà.
et que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double d'hibiscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu ? 7. C'est fait. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler. C'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Vérifie les arrière-plans. C'est bon. Alors que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, on travaille sur les programmes de vieillissement au sein de l'ADN des cellules de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et nous commençons par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, le féminin sacré et le masculin sacré, elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Et que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Et pendant que son mental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mais tout d'abord, avant d'entamer les points, on va regarder les systèmes. D'abord globalement et ensuite individuellement. Donc globalement, que vois-tu à éliminer de tous les systèmes ? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations d'habitude de fonctionnement, des programmations de compensation de l'élémental, des programmes en réaction et des programmes qui sont aussi artificiels, générés artificiellement. Alors, on élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Vérifiez juste les arrière-plans. Bon. Très bien, donc je ne le demanderai plus. Donc que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, système endocrinien, immunitaire et hormonal. Que vois-tu à éliminer ? Des mémoires traumatiques, des programmations d'habitude de fonctionnement. Bon, alors on élimine également, comme précité, 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder sa glande pinéale avec la production de la valentonine, donc cette fameuse hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 43%. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Oui. Que vois-tu éliminer pour chacun ? Et des mémoires traumatiques,
avec des programmations d'habitude de fonctionnement de l'élémental, de fonctionnement, j'ai dit, des habitudes de fonctionnement et de compensation de l'élémental. Tu fais comme moi. Non, mais... Okay. T'es remonté en fréquence, là? Mais oui, je le sens encore. Hein. Je ne sais pas, pourtant, j'ai ancré plusieurs fois, mais... Ouais, mais je ne sais pas, je pense que c'est l'environnement. Hein. Il y a des montées de fréquence et on se laisse embarquer. Là, je sens une montée de fréquence, tu vois. Ouais, on se laisse embarquer. Vérifie que c'est bien l'environnement, qu'il n'y a pas une influence extérieure. Prends le temps de regarder quand même, Laetitia. Je compte à trois et tu vas regarder. 1, 2, 3, pour tous les deux. Ben, je ne vois pas. Hein. Non. Regarde. Je vois juste des fluctuations d'énergie très, très intenses. Donc, c'est l'environnement. Ouais, mais je ne vois qui se pas. Globalement. Ouais, il n'y a rien de spécifique. D'accord. Bon, allez, on prend le temps de se réancrer. On rebaisse nos fréquences. On va y arriver. Hein. Oui. Voilà, c'est bon. Et on se réancre et on recrée l'équilibre. Oui. Voilà. C'est bon pour toi? Oui. Bon, nous en étions où? Système neuronal, je crois. Ah oui, système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Donc, il y a des mémoires traumatiques avec des programmes d'habitude de fonctionnement et de compensation de l'élémental. Alors, comme précité, on élimine tout. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Regarde l'équilibre du cerveau droit-gauche. Oui, reconnecté. Alors, on va reconnecter tout ce qui doit l'être en une seule fois, en cascade. 1, 2, 3. Ah oui. C'est bon? Oui. T'as rien à arrière-plan? C'est bon. Parfait. Alors maintenant, système neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors idem. 1, 2, 3. Oui. Voilà, toujours système neuronal, mais les zones qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs, et ceux de la communication. Vois-tu là aussi des reconnexions à faire? Oui. Alors idem, en cascade. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central. Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire. Oui. 1, 2, 3. C'est fait. Que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé et pérennisé. Je ne me sens même plus parler. Oui. Bien, maintenant, le système circulatoire, sanguin, lymphatique, énergétique. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations de compensation, de réaction de l'élémental, d'habitude de fonctionnement également. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations de fonctionnement et de compensation de l'élémental. Alors on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties soit reconnectée et réinformée. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui.
Bien, maintenant, on va pouvoir passer à ces points. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle est mal au cœur, palpitations cardiaques? Que se passait-il de ce côté-là? Là, j'observe le décalage de ses corps, de tous ses corps, en fait. C'est le non-alignement qui lui provoquait ses... C'est des conséquences, en fait, qui lui provoquaient ses palpitations. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Et des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations de fonctionnement et de compensation de l'élémental, et des réactions aussi, des programmes de réaction. C'est pour ça qu'il palpitait. Ok. Donc, on élimine tout comme précité sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, les attaques électriques au crâne, bon, on a vu tout ce qui, tout ce qui était électrique. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors là? Qu'est-ce que tu vois qui reste, puisqu'on a les explications? Ce sont des mémoires traumatiques qui restent, des programmations d'habitude de fonctionnement de l'élémental, compensation et réaction aussi, qui s'est créée artificiellement. Ok. Il ne reste plus rien dans ce qui concerne la pellicule qui favorisait tout ça? Ah non, alors on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, autre point, elle a eu plusieurs accidents de vélo. Quelle explication donner à tous ces accidents? Je vois des éclairs électriques. C'est comme si... Alors, il y a deux phases. Sa condition d'avant dans ses énergies, qui du coup ne la mettait pas dans un contrôle, mais la mettait hors contrôle. Et en même temps, sa phase d'endormissement qu'elle était dans l'énergie. Donc, elle ne contrôlait plus sa vie. Et j'ai le soi supérieur qui envoie des décharges électriques, ce qui provoquait ces accidents. Ah, pour la réveiller, tu veux dire? Oui, parce qu'elle ne contrôlait plus rien, en fait, au niveau de la physicalité de la matière. Ok. Donc, provoquer des accidents, mais en même temps, c'était dangereux pour elle. Oui, mais... Elle... Enfin, c'était dangereux. Je sais pas. C'est juste pour avoir sa réponse. Qu'est-ce qui fait qu'il a trouvé le moyen de l'accident pour essayer de la réveiller, sachant en même temps que ça peut être dangereux pour elle? C'est une conséquence, en fait. Hein. C'est juste, je vois la décharge électrique, en fait, hein, qui l'atteint au niveau du chakra cardiaque. Et du coup, par conséquence, ça crée comme des chocs, comme quand on avec un défibrillateur pour essayer de réveiller la personne. D'accord. Ça fait ça, en fait. Okay. Et comme si déjà elle contrôlait plus sa vie, et du coup, c'est ces accidents-là de vélo que je vois, en fait. Parce que je vois vraiment une décharge électrique au niveau du cœur, en fait. Est-ce que du point de vue du soin supérieur, il savait qu'il n'y aurait pas d'accident, qu'il n'y aurait pas de conséquences graves dans les accidents? Oui. C'est ça. Bien, ouais. D'accord. Ouais. Ok. C'est ce que je voulais comprendre. Hein. C'était comme pour, en fait, aussi... l'électrifier et puis recaler ses corps énergétiques puisque le décalage provoquait ça. Une tentative de la réharmoniser et de la réveiller, d'accord. Qu'est-ce que tu vois qui reste de tout ça maintenant à éliminer? Il y a des mémoires traumatiques profondes de ces accidents, des programmations de fonctionnement et de croyances aussi qui ont été créées vis-à-vis de ces accidents. Quel type de croyances? Bah, qu'elle est en danger et qu'elle, du coup, ne contrôle rien. Donc, elle se crée des peurs. Ok. Donc, il reste quelque part des peurs, là. Oui. Bien. Alors, on les inclut, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3.
Oui. Voilà, et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Oui. Elle en active toutes les connexions, les ressentis, les émotions, les sentiments, les perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa nature essentielle, cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure. Oui. Comment vois-tu maintenant, donc, Monica? Il y a un soulagement intérieur, il y a une sérénité qui s'installe, elle est calme, il y a une paix intérieure en tout cas. Qu'est-ce que ça les fait ressentir? Il y a de la joie et du plaisir d'expérimenter ce nouvel état d'être. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer? Oui. Elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme et son soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, douleur au bas du dos, aux épaules et la côte à droite, d'où est-ce que ça vient? J'ai le pommeau de douche là, qui descendait le long de sa colonne vertébrale, donc son ancienne situation, le dispositif. Ça descendait ouais, jusqu'au coccyx. Et je vois même les accroches au niveau des mollets. Ça avait une incidence dans son équilibre. Dans son équilibre, je ne sais pas ce que je veux dire, droite-gauche. Et je revois les décalages de décor aussi. Qui provoque ça. Donc, compensation okay. élémentale. Tu vois que ça a impacté les épaules aussi? Oui. Et la côte à droite, ça aussi? Oui, c'est par rapport au décalage des corps. Ok. C'est donc, une compensation. D'accord. Pour toutes les parties concernées, donc, vues et pas vues, qui concernent le trajet de ce dispositif, dis-moi, qu'est-ce qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement, des programmations de compensation aussi. De l'élément. Alors, on élimine tout, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et rotissé. Oui. Et on invite l'élémentaire à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses ou enflammées. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Douleur à l'estomac, elle sent comme quelque chose qui l'aspire. Qu'est-ce que c'était? Je vois les vers luisants. Ah, d'accord. Il n'y a pas d'autre cause? Non, c'est la première chose que j'ai vue. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer là? Il y a des programmes de fonctionnement, de compensation de l'élémental. Des programmes aussi qui sont générés artificiellement avec des empreintes traumatiques. Les vers n'ont pas laissé de déchets? Oui, il y a des déchets. Alors, idem, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc maintenant, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et rotissé. Oui. En harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Au niveau de la thyroïde, donc avec une boule à droite, regarde qu'est-ce qui se passait. Pareil, je vois les corps décalés et la compensation de l'élémental qui s'est logé là en fait. Hein. L'énergie était beaucoup plus concentrée à ce niveau-là, par rapport au cœur aussi. C'était par rapport au cœur. C'est que de la compensation, en fait, de l'élémental. Alors, pour toutes les parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Qu'est-ce que tu m'as dit qui reste à éliminer? Pour toutes les parties, que reste-t-il à éliminer? Des mémoires traumatiques, des échos et résonances, et des programmations de fonctionnement et de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout comme précité. 1, 2, 3. Oui. On reconnecte et réinforme
tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. En harmonie, stabilise. Donc, on va demander à l'énergie mentale de dissoudre cette boule qui est à droite là. Oui. Voilà. Là, c'est une programmation de dissolution. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. L'arthrose, donc, surtout au niveau des doigts, qu'est-ce qui se passait? Il n'y a rien qui me vient à part toujours conséquence, compensation de l'élémental. Bon, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer alors? Des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement de l'élémental. Alors, on élimine tout ça comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et on va demander à l'élémental de faire ce qu'il faut, y compris mettre un baume apaisant, hein, et de faire ce qu'il faut pour tout remettre en ordre. Dans toutes les parties concernées, je suppose pas que les doigts. Oui, exact. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, c'est fait. Alors, les bouffées de chaleur, surtout dans les moments de nervosité, qu'est-ce qui se passait? Dans les moments de nervosité, quand tu as dit ça, j'ai vu des entités démoniaques appuyées sur les failles émotionnelles. Et c'est qu'une réaction de l'élémental, en fait. Il produit des bouffées de chaleur par rapport à cette nervosité. Enfin, surtout par rapport aux entités démoniaques, en fait. D'accord. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Il y a des mémoires traumatiques et des programmations de fonctionnement de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3, comme précité. Oui. On va reconnecter et réinformer tout ce qui doit être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retissé. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, autre point, à sa naissance, elle est sortie bleue et même en état de non-respiration, décès. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, elle était avec un jumeau qui n'est pas sorti avant elle. Il y a une sorte de lien déjà entre les deux et de non-reconnaissance. De non-reconnaissance? Oui. C'est... Je ne sais pas, c'est l'énergie de ne pas être reconnue en tant que lien. Quel type de lien, tu vois? Un lien entre eux. J'arrive pas à définir, c'est comme un lien d'œuf. C'est comme s'il la voulait pas, en fait. Son jumeau. C'est comme si la décision de venir s'incarner. Lui, il voulait venir seul. Et pourquoi ils sont venus ensemble alors? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui a insisté. Ah oui, j'ai la sensation de comme pour retrouver ses parties. Elle a insisté parce qu'il y a cette notion de retrouver son entièreté. À travers les quatre parties dispersées. Exact. Est-ce qu'elle le reconnaissait à travers lui? En partie, parce que ça a été encore subdivisé par rapport à toutes les incarnations. Il n'y a pas que quatre parties, en fait. Il y a eu des subdivisions, en fait. Au fur et à mesure des incarnations, c'est comme s'ils avaient perdu de l'essence d'eux-mêmes. Je ne sais pas comment expliquer. D'accord. Oui, oui, oui. Il y a ce lien-là, je vois, entre les deux. Pour retrouver une part d'elle, en fait. Et le fait qu'elle sorte pratiquement en état de décès, c'est lui qui l'a provoqué, l'autre partie ou Oui, c'est comme si elle a été cachée, pas reconnue. Parce que j'ai l'impression que le jumeau, c'est comme s'il se reconnaissait pas à travers elle et qu'il n'était pas d'accord avec cette partie. C'est comme s'il disait que c'était une... que non, enfin, qu'il ne se sentait pas entier si elle venait.
C'est assez bizarre. C'est comme s'il avait perdu beaucoup d'essence de lui-même et qu'il avait oublié que D'accord. c'était pour rechercher une entièreté. Mais cette incarnation de Monica, elle a été voulue par elle ou elle a été poussée par les entités? Ben, elle a été voulue et en même temps poussée par les entités. Ça résonne dans les deux. D'accord. Ok. Bon. C'est-à-dire comme si les entités l'a poussée vers une gémellité. Et c'est Ok. aussi pourquoi elle est aussi dans cet état de ne respire plus, de je sais plus c'est quoi le terme médical. D'accord, ok. Bien. Eh bien, écoute, est-ce que tu vois qu'il y a des liens à couper avec ce jumeau? Oui, parce que ce sont des liens du coup toxiques et pas réels, parce qu'ils ont un lien quand même du fait de trouver. Ils ont ce lien de subdivision quand même. Donc celui-là, il ne faut pas le couper. Mais les autres, oui. Ok, alors en profiter pour faire tous les liens globalement, d'accord? Puisque nous y sommes, elle va réunir tous les liens toxiques dans toutes les parties, toutes dimensions, etc. Oui. Et elle va tous les couper et dissoudre les racines sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu en vois un arrière-plan. Non, c'est bon. Voilà. Regarde ce que ça change dans sa relation avec le jumeau. J'ai la sensation de voir comme une cellule tous les deux, comme une même cellule en fait, comme si ça recréait une même cellule. D'accord. Quelles sont les conséquences dans leur vie humaine? Ben, du coup, elle se sent, elle, acceptée, elle se sent plus entière, elle se rapproche de son entièreté en tout cas. Et la relation après, elle est saine, on va dire, elle est correcte, elle est alignée, j'ai envie de dire. Ok. Est-ce que tu vois qu'ici et maintenant, où nous en sommes, toutes les parties d'elle sont réunifiées à présent? Non. Ah, qu'est-ce qui manque pour qu'elle se réunifie? Il y a eu des subdivisions, donc il y en a un peu éparpillé partout, Ok. dans différentes Alors. dimensions. Ok. Donc, à quel moment elle a commencé à se subdiviser? La toute première fois? Dans les incarnations, alors moi ça me vient bah, la toute première fois où comment dire, où elle a perdu son essence. Ouais, elle est rentrée dans les roues d'incarnation. Là, ça a commencé à faire 4, 8. Après chaque incarnation jusqu'à maintenant, elle s'est subdivisée. Ok, donc tu vas aller au moment juste avant, qui est la première subdivision. Ah D'accord? oui. Je compte à 3 et tu y vas. Juste avant la première subdivision. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes où là? Elle est en chute dimensionnelle avant d'entrer dans les roues d'incarnation. Ok, alors à ce moment-là, tu vas la connecter à la source pour faire Voilà, ça y est. descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Elle reste entière. Je la vois entrer dans la roue d'incarnation, mais entière. Voilà. Maintenant, elle va remonter toutes les vies, toutes les lignes de temps, tous les plans, etc., tout ce qu'elle a pu expérimenter. Donc jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme, se réorganise. Oui. Voilà. Jusqu'à ici et maintenant. Oui, ça Comment la y est. vois-tu à présent? Il y a un grand, grand soulagement intérieur. J'ai envie de dire même une joie extrême de retrouver toutes les parties de soi. C'est très intense et c'est beau à la fois. Alors, quel point est temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer? Oui. Et elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Alors, autre point, pourquoi elle a souvent été malade depuis toute petite?
C'est dû à plusieurs choses. La compensation beaucoup de l'élémental, mais aussi cette division-là, subdivision. D'accord, ok. Bon, est-ce que tu vois qu'il reste des choses à éliminer par rapport à tout ça? Il reste des traces traumatiques avec des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Voilà, et maintenant, elle se sert de sa connexion avec la source pour ressentir sa complétude, son harmonie, sa tranquillité intérieure, sa sécurité et l'amour qu'elle est, bien évidemment. Oui. Comment la vois-tu à présent? Bien, stable, aligné. Alors, elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle télécharge dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, autre point, pourquoi est-ce qu'elle est toujours tombée sur des compagnons pervers narcissiques ou violents, et donc, où elle a été violée deux fois d'ailleurs? Qu'est-ce qu'elle a à comprendre à travers ça? Je vois des liens toxiques de son ancienne situation, des liens avec l'arbre généalogique aussi, c'est-à-dire son isolement, la non-acceptation ou de elle-même, de ses parties d'elle-même, mais de connexion aussi. D'accord. Alors, en ce qui concerne les liens, l'arbre généalogique, est-ce que c'est réglé? Oui, l'arbre généalogique, c'est. D'accord. En ce qui la concerne, elle, est-ce qu'il y a des choses à éliminer? Oui, il y a des mémoires traumatiques profondes avec des programmations de fonctionnement. Ok. Alors, on élimine tout jusqu'aux réminiscences comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Est-ce que les entités sont derrière tout ça? C'est elles qui ont organisé ces rencontres ou pas? Oui, certaines, pas toutes. D'accord. Et le reste, quoi? C'est loi d'attraction? Qu'est-ce que c'est? Oui, la loi d'attraction par rapport à la lignée. D'accord. Oui, de ce qu'il rayonnait. Ok. Donc, toujours en connexion avec la source, elle peut ressentir maintenant toujours sa complétude, hein, et bien sûr. La valeur de soi, retrouver donc la profonde estime qu'elle a d'elle-même, de cet amour qu'elle est. Elle peut même installer une programmation sur laquelle elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement, joyeusement, dans la facilité, la grâce et le plaisir, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit professionnelles, que ce soit matérielles, etc. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. Donc, elle a fait quatre tentatives de suicide. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à ça, compte tenu du contexte de l'époque? Ouais, c'est les entités démoniaques, hein, qui ont appuyé sur ces failles, ces vulnérabilités. Voilà. Bon, il reste quelque chose à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement aussi. Ok. Alors, on élimine tout ça. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Voilà, problème avec sa fille. Voilà. Donc, sa fille et sa petite fille, d'après ce que j'ai pu comprendre, regarde ce qui se passe avec elle. Ça me ramène à l'arbre généalogique. Ok. La communication, le manque d'écoute, de ne pas écouter, de ne pas être dans la même réalité. Est-ce que tu vois que c'est réglé maintenant? Oui. Ok. Donc, on va faire venir sa petite fille et sa fille devant Oui. elle. Et puis elle va leur montrer le travail qu'elle est en train de faire et leur proposer de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans. Oui. Comment réagissent-elles? Elles sont contentes, il y a comme des pleurs de joie de se dire, ah ben ouf, voilà, on ne se comprenait pas, il y a une sorte de soulagement, quoi. Donc elles voient ce qui se passe, elles sont Oui. conscientes. Bien, Exact. elles sont OK pour faire le travail. Oui. Elles sont dans la capacité de le faire toutes seules ou il faut un coup de pouce pour chacune? Un coup de pouce. Alors, elles le veulent? Oui. Alors, on les connecte toutes les deux à leur source respective pour faire redescendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans leur conscience. Que se passe-t-il pour elles à présent? Elles ont augmenté en fréquence toutes les deux.
Elles se sentent bien et alignées. Parfait. Alors maintenant, elles ont les informations, les énergies nécessaires. Elles ont la liberté également pour faire tout ce qu'il faut à partir de maintenant, même si elles seront invitées tout à l'heure. Oui. Elles sont mises à l'œuvre? Oui. Très bien. Alors, dernière question, cette rencontre qu'elle a faite avec cette amie, voilà, avec laquelle elle a d'ailleurs la même date de naissance, pourquoi elles se sont rencontrées? Est-ce qu'il y a des liens particuliers ou des choses à comprendre? Oui, j'ai le terme gémellité qui me vient. Alors, c'est-à-dire, dis-moi en plus. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'était des parties d'elle-même aussi, qui étaient subdivisées. D'accord. Alors maintenant qu'elle est réunifiée, qu'est-ce qui se passe pour chacune alors du coup? Elle, son amie, elle avait quand même une part de son soi supérieur, qui reprenait sa place, on va dire. D'accord, donc elles se retrouvent entières et pleines et autonomes. Oui, c'est ce que je vois. Chacune d'elles. Oui. Parfait. Tu vois des choses à éliminer ou pas? Non, à part juste ce qui me vient, c'est les habitudes de fonctionnement, en fait. Peut-être les croyances qu'elles se sont créées l'une et l'autre. D'accord, quel type de croyances? Qu'elles ont des liens ou karmiques ou de vie antérieure, les liens jumeaux. Ça, c'est sûr que ça revient. Mais pas comme elles l'entendent, en tout cas. D'accord. Bon, eh ben, on va éliminer tout ça sur tous les plans. Allez, 1, 2, 3, comme précité. Ah oui. Voilà. Bien, alors maintenant, on va regarder son corps mental, bien sûr, selon sa ligne du temps, pour voir toutes les programmations limitantes que tu y vois, et bien sûr, les croyances qui en découlaient. Je vois des voiles imbriqués les uns sur les autres. C'est dense, compact, limitant. Quelles sont les croyances limitantes? Avec la croyance qu'elle n'a pas la connaissance et ni la force nécessaire pour se dégager de cette réalité, de traverser ces voiles, les dépasser, aller au-delà. Ok. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle a la force nécessaire aussi d'être dans des fréquences hautes et de pouvoir les dégager de sa réalité, pulvériser ses voiles, les déchirer même. Ok, et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Qu'est-ce qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques et des programmes de fonctionnement. Alors, on élimine tout sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, toujours sur l'ancienne ligne de temps, je veux que tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Oui, il y a beaucoup de tristesse, de frustration qui en découle, de ne pas arriver à avoir la mainmise sur sa vie d'incarné. Il y a beaucoup de nostalgie, des basses fréquences qui sont créées, une fausse image de elle-même. Il y a de la colère aussi de ne pas arriver à dépasser ces états-là. Voilà. Ok. Et donc, on regarde maintenant du côté des cinq blessures principales qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez elle? Comment s'exprime-t-elle? Le sentiment d'injustice, d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation qu'elle n'a pas choisie. La partie physique se sent délaissée, rejetée, abandonnée par la partie supérieure. Elle se sent trahie. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et il y a le sentiment d'humiliation d'avoir à vivre cette incarnation dans cet état-là, d'avancer dans cette condition-là. D'avoir à vivre toutes ces frustrations. Et pour éviter les pics de souffrance, elle s'est créée des coquilles de protection, de défense, qui lui permet d'avancer, de survivre, j'ai envie de dire, dans cette incarnation. Mais ça la coupe de ses connexions intérieures de plus en plus. Ça la disperse aussi. Et
Elle a une fausse image d'elle-même qui s'est créée. Voilà. Très bien. Alors, je rappelle qu'il s'agit là, bien sûr, de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qui reste à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques, des programmes de fonctionnement. Alors, on élimine tout jusqu'aux réminiscences comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et par son attention portée sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, émotions, sensations, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'élimine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu maintenant, Monica? La première chose qui me vient, c'est qu'elle se sent vivante, bien ancrée, bien incarnée, entière, alignée. Il y a une force intérieure qui se dévoile, qui se déploie. Il y a beaucoup de joie et de plaisir par anticipation à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors, quel point est-on de le ressentir, d'apprécier, de le savourer? Oui. Elle installe une programmation selon laquelle chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source. Je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et puissante de garder en mémoire son essence divine de ce qu'elle est, de sa source. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les manifestations, les incarnations, et quel que soit l'espace et le temps. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle, en termes de possibilités, de potentialités, voire même de cette existence en tant que Monica? Il y a beaucoup de joie, une puissance intérieure, et il y a beaucoup de plaisir par anticipation de vivre dans ce nouvel état d'être. Eh bien, qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement, dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur. Quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs et chacune d'elles jusqu'à la source bien sûr et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée. Oui. Comment vois-tu Monica à présent? Elle est ancrée, stable, expansée à la fois, et elle pétille. Il y a beaucoup de joie et de plaisir qui en découlent de ce nouvel état. Bien, alors c'est le moment des invitations. Elle a nommé ses enfants avec leur famille respective, son frère jumeau et sa famille en général, les amis, les trois chats et tous les animaux de la famille et de ceux que, et des amis. Oui. Ils sont conviés, bien sûr, pour la douche finale. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance
de leur situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que tout le monde choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Oui. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection. Secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte oui. à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Monica pour elle-même. Bien sûr, chacun adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le répète, les animaux sont conviés. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Bien, alors on va passer au désincarné, à la nommer celui qui a été son père. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Il est sur le plan du moyen astral. Il est dans sa bulle, il est bien. Alors identifie-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut être aidé. Oui. Alors on le connecte directement à la source pour faire descendre informations originelles, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté en fréquence, il est sorti de sa bulle. Il est bien. Que choisit-il de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Il veut remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés sur le plan terrestre? Oui, une énergie d'amour et de remerciement qui se dirige vers Monica et vers toutes les consciences qu'il a croisées sur Terre. Bien. Alors, avant de remonter, est-ce qu'il veut bien envoyer des énergies et des informations dans la lignée maternelle et paternelle de Monica, afin que chacune d'elles puisse, dont chacun des âmes désincarnées, puisse faire la même chose que lui? Oui. Allons-y. Oui. Parfait. Maintenant, on peut le saluer et le remercier. C'est bon. À présent, c'est le tour de celle qui a été sa mère. Sur quel plan la vois-tu, dans quelle situation? Elle est assise sur une chaise dans le plan astral, dans sa propre bulle, elle attend. D'accord. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors on la connecte elle aussi directement à la source, pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent? Elle sort de sa bulle et elle dit qu'elle attendait que ça. Elle avait un caractère un peu bien trempé, j'ai l'impression. Que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle choisit la source.
Alors, du luxe pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant d'en monter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés sur le plan terrestre? Il y a une énergie de remerciement. Et à la fois, c'est comme si, j'ai envie de dire, comme si elle a disputé. Elle est en train de lui dire, c'est bizarre, hein. Elle est en train de la disputer, de lui dire, ah, mais tu aurais pu faire ça avant, ou c'est en mode quelqu'un de très impatient. Mais il y a du remerciement et de l'amour dans ces énergies-là. Ok. Bon, on va pouvoir la saluer. Oui. C'est bon. Elle est très rigolote. Bon, on revient à Monica. Oui. Alors, on a fait tout à l'heure les liens toxiques. Tu confirmes qu'il ne reste plus? Oui, il n'y a plus de lien. Elle a coupé tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui dit-il. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve là aussi que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et tout but de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du démon du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de muscat activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Voilà. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant. Et toi également, tu veux profiter. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui les nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double de muscat activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie, son baume de vie, pardon, et l'applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Je vois 6 hélices et 5 de connectés. Alors, est-ce qu'elle peut connecter la sixième? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également. Et dis-moi, quelle différence ça fera pour elle? Ça va consolider toute sa base énergétique et physique. C'est fait.
Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? De 9 à 12 mois. De 9 à 12. Est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? La sensation de se sentir vivante, entière, un bien-être général, j'ai envie de dire. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 12 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir un décalage. Elle va se sentir décalée à certains moments. Les anciens programmes ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas installés, donc le mental ego se sent en insécurité. Et il va rechercher ce qu'il connaît du passé pour les ramener dans le présent, pour se sécuriser. Alors, il suffira à Monica de se souvenir de ce qui vient d'être dit, dans ces moments où il lui semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent. En restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font leur travail, et plus courte pourra être la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, la balle est dans ton camp. Et pour soutenir toutes les parties de Monica, tu vas aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Ah, j'ai le mot fierté qui me vient. Elle se sent fière, elle se sent belle, j'ai plein de mots comme ça. Il y a une beauté intérieure, alignée. Elle se sent forte aussi. Et il y a beaucoup de joie et de plaisir d'être, d'expérimenter dans ce nouvel état d'être. Alors, qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, de le déguster. Oui. Elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient de nouveaux repères, du connu et même de nouvelles références. Et des nouvelles habitudes qu'elle peut programmer dès maintenant et y ressentir totalement. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous regardions son domicile. J'aimerais savoir comment tu vois son appartement. C'est comme une sorte de nuage noir avec des entités démoniaques et des basses fréquences, des énergies à basse fréquence. Donc, c'est lié à elle, entre autres, à son état. L'ancienne situation. Oui. Alors, regarde les sous-sols, dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non, je ne vois pas. Alors, elle va faire une puissante tornade, elle va tout nettoyer, de fond en comble, y compris la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double lumière activée, sécurisée. Oui. Maintenant, sur son compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double lumière activée et sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant et bien sûr paisible, sécurisé, avec une respiration ample, profonde et aisée, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également, et les autres occupants, évidemment, s'ils le veulent, s'il y en a, à commencer par les animaux. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune. Donc, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité,
sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. À présent, elle va installer une programmation sur laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, son état ou la situation, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et on va demander au sort supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Que maintenant, la connexion, elle est libre, directe et sécurisée entre sa partie physique et son soi supérieur. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute ? C'est avec l'intention claire et déterminée et l'entière confiance en ses propres capacités qu'elle peut activer cette connexion depuis la partie physique. Alors, il suffira bien sûr à Monica de se souvenir de ses recommandations et surtout de les appliquer. Comment est-ce que tu vois son âme ? Elle est expansée. Elle est stable aussi. Elle s'est stabilisée. Elle est bien. Et sa partie subliminale ? Elle s'est rapprochée de la partie physique. Il y a une puissance dans sa partie subliminale. C'est forte. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps et dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Monica en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors chacun est invité à trouver sa cascade, son portail et sa cascade, pardon. Les animaux, je rappelle, qui sont tous invités. Oui. Et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes les énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double mise 4 activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Monica avant la séance et quelle était la présente ? 56 et 192 maintenant. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour ? Oui. Alors c'est parti. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Bon, à nous Monica, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Avec le micro bien près de la bouche.